Sérieux, ma chérie? Ça fait 6 ans, 7 ans que je suis là. Tout le monde le dit, mais personne ne le fait, c'est dommage. Il y a quand même des personnes âgées qui viennent ici. Il y a des enfants. Et ça, quand ça sera bien rincé, déjà on n'aura plus l'odeur. Et nos enfants et nos mamies seront sécurisés. Il ne serait pas souhaitable de mettre un panneau interdiction de... Il aurait été souhaitable que ce soit peut-être certains politiques qui fassent ce genre de travail. Les politiques, ils ne vont pas faire ça. Hein. Non, mais ils ont le pouvoir de diligenter quand même du personnel. Je remarquais qu'à Edenrock, il y avait un panneau d'interdiction qui se lavait avec du savon. Ah ben ici, il n'y est pas. Il n'y en a pas ici. Il a été demandé depuis octobre 2010. D'accord. Il y avait un panneau avant. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs dames, de tout ça? C'est pas mieux pour vos enfants? Et on est des vacanciers comme tout le monde. Hein. Ce qui est bien, c'est que l'eau elle arrive ici. Hein. Pourquoi elle arrive là, l'eau? Parce que c'est le coulement de la... Ah non, mais il n'y a pas un truc. Coulement. Si, il y a une buse, mais qui est très vite arrivée à saturation. Parce qu'il y a certainement aussi des gens bien attentionnés. Ils savent qu'il ne faut pas venir avec des bambous, c'est qu'ils prennent leur douche ici. Ah, d'accord. Donc voilà. Attention, et de temps en temps, il y a des gens qui sont c'est pas normal que l'eau coule sur les marches. Hein. Vous allez voir que vous reviendrez ici dans une demi-heure quand les gens vont finir de prendre leur douche, ça sera quand même plus agréable. Ah, et il y aura surtout plus d'odeur. Et ça aura pris combien de temps? Une vingtaine de minutes, même pas. Venir ici mettre des contraventions parce que les voitures sont mal garées, ça rapporte peut-être plus que de venir s'investir et nettoyer les marches de certains escaliers. Je sais que les gens avec leurs enfants, ils viennent, ça c'est plus important. C'est vrai que les vacanciers, on remarque certaines belles choses. Tiens-toi, hein, tiens-toi, tu te glisses avec ça. Oui, j'ai passé. Pas une fois que je serai passé. Voilà, c'était en direct le nettoyage de la douche du capellan. On appelle ça une opération coup de poing.
C'est de l'autogestion. Il y a une magnifique plage d'ailleurs. On fait un petit tour du propriétaire. C'est magnifique. Quand on tombe ici, on va boire un peu ensemble. Je suis pas sûr que les marches de l'église, il les nettoie. Hein. Ouais, mais ici, il n'y a pas de curé qui prend l'aumône tous les 15 jours. Je crois bien. Hein. Mais tant mieux, je ne vais pas vous contredire. Hein. Il ne faut pas avoir peur. C'est comme vous, restez en dessous.